Nous avons appris qu'au royaume de Heart, la force d'un mage est évaluée selon une certaine classification de 0 à 9. Au pied de la pyramide se trouvent les niveaux 9, 8 et 7. Plus le chiffre est petit, plus on est considéré comme fort. D'après la reine Lolopechka, ce n'est pas le nombre de mages qui compte, mais leur puissance selon ce classement. Ainsi, pour évaluer la force magique d'un pays, ils ne comptabilisent que les mages d'un niveau proche de 0. Il existe également un autre point qui a son importance. Seuls les mages de niveau 1 ou moins peuvent rivaliser avec un démon. Les autres seraient trop faibles. De niveau 1 ou moins? Je vois. La malédiction du royaume de Heart, où se sont rendus Asta et ses compagnons, est un sort dont est victime sa reine. À cause de ce maléfice, elle n'a plus qu'une année à vivre. À ce jour, elle n'a trouvé aucun remède contre cette malédiction. Et qui lui a lancé ce mauvais sort? Un démon nommé Megicula. De plus, d'après le rapport d'un détachement du Taureau Noir, le royaume de Daimon serait actuellement occupé par les forces du royaume de Spade. Ce dernier a accru sa puissance militaire au cours des dernières années, et tout nous porte à croire... que c'est ce démon qui leur a prêté main forte, ce qui explique leur puissance soudaine, hélas. La réunion portera donc sur ce qu'il convient de faire pour s'opposer à ce démon et à Spade. Cette décision n'est pas à prendre à la légère. Son Altesse Lolopechka veut attaquer Spade avant de faiblir, c'est-à-dire dans 6 mois. Elle propose donc une alliance. Il me semble judicieux et évident de nous joindre à Heart pour combattre ensemble. À ce titre, vous devrez entraîner vos recrues pour les mener au plus haut niveau possible. Je sais que nous n'avons que 6 mois, c'est court, mais il faudra faire votre maximum pour augmenter votre niveau. Fan d'action, abonne-toi et découvre d'autres vidéos.